On propose plutôt du BMX race, donc de la course, sur des terrains de BMX qui font environ 370 mètres de long. On peut les comparer à des terrains de motocross par exemple. Donc on a besoin de qualité physique, d'endurance également et d'équilibre, oui, pour pratiquer BMX. Alors l'équipement, on a des vélos à partir de 150 euros, il faut un casque également. Donc nous on propose tout ce matériel en prêt, gratuitement, durant l'année. Quand l'enfant veut s'inscrire au club, il vient pratiquer durant 2-3 séances où là on prête le matériel. Et ensuite on voit pour une inscription. Donc une inscription, on a deux tarifs. Un tarif à 55 euros et un autre tarif demi-tarif à 25 euros. En fait, pour les enfants bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire. On accélère, on passe les obstacles en gagnant un maximum de vitesse, on saute. Le premier virage. Donc c'est un sport qui demande de l'entraînement pour pouvoir progresser. Si on vient une fois par mois, il est certain qu'on ne progressera pas, on ne se fera pas plaisir. Par contre, si on est assidu aux entraînements, très vite, on acquiert des techniques, des sensations, on apprend à sauter, à passer les virages, à se frotter un peu avec les copains, à se placer avec les copains. Donc on a très vite de très bonnes sensations. Dernière ligne droite, on accélère, on saute et on pédale jusqu'à l'arrivée. Et voilà, c'est terminé.